Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Hello, oui, t'es la première, ma Cathy. Coucou tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son, c'est OK? Merci Cathy. Coucou Nathalie. Coucou Mumu. Coucou Laurence. Est-ce que le son est bon? Ok, c'est bon. Merci, ma Cathy, c'est gentil. Bonjour tout le monde, bienvenue. Oui, alors je vous annonce tout de suite que je ne vais pas garder tout le live. Bonjour Camille, bonjour Gazelle. Coucou tout le monde. Oui, je sais, je suis un peu folle. Mais bon, c'était un petit live qui était aussi pour les enfants, donc j'avais envie de m'amuser. C'est bientôt Halloween, donc pourquoi on n'en profiterait pas? Je vais laisser un petit peu de temps pour que tout le monde arrive. Merci Gazelle. Coucou Fatou. Non, non, je le garde pas, il va tomber. Il tire pas bien avec le casque. Ouais, vous avez vu, j'ai même les boucles d'oreilles assorties. Coucou Muriel. Merci Maroutine. Non, c'est pas déjà Halloween, mais bon, les préparatifs et tout. Voilà, j'ai fait un atelier à la maison hier où on a fait des petites pochettes surprises, des chapeaux de sorcière. Voilà, donc. Mais non, je peux pas mettre le casque au-dessus parce que sinon ça va être tout écrasé. Donc voilà. Bonjour, bonjour. Alors. Coucou Virginie. Oui, je sais, je suis un peu folle aujourd'hui. Bienvenue tout le monde. Alors. Ah, c'est gentil, ma petite Camille. T'es trop mignonne. Je vais encore avoir droit à plein plein de surnoms différents. Bien, alors je vois que ça y est, tout le monde a l'air d'être arrivé tranquillement. Ah non, je mange pas de bonbons. Promis. Je suis plutôt chocolat, moi. Coucou Karine, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, live 80. On va réaliser aujourd'hui une petite boîte à explosion qui est largement réalisable par les enfants. Vous allez voir, et on peut même le transformer en jeu ludique. Et je vais vous montrer bientôt pourquoi. Merci Karine. Coucou ma Fabienne, bonjour Martine. Un chocolat ou un sort? Exactement. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire pour que je puisse voilà, savoir qui vous êtes. Coucou Claudine, ah super! Tu dois partir, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est gentil de venir me faire un petit coucou. Donc n'hésitez pas, hein, si vous nous rejoignez pour la première fois, faites-moi un petit signe que je le sache. Et puis, bah, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à la partager sur vos profils, par exemple, ou sur vos groupes préférés. Ça sera adorable de votre part. N'hésitez pas à me dire aussi si vous scrapez en ce moment avec vos enfants, puisque du coup, je vous avais dit, il est tout à fait réalisable par des enfants. Pas de souci, ma Cathy, c'est pas grave, tu feras en replay, il n'y a pas de problème. Déjà, tu es là, ça me fait super plaisir. Pose-toi tranquille, c'est juste ce qu'il faut. Alors, on y va, on démarre. Cette semaine, vous avez vu, il y a un super nouveau Paper Pumpkin qui est sorti, qui s'appelle donc Coffret d'espoir. Et il est juste magnifique. Il est juste devant moi, vous avez vu? Voilà, vous l'avez à l'écran, il est vraiment top, il est disponible en ce moment. Je sais qu'il y en a déjà plein qui ont craqué dessus. Oui, à la prochaine, Claudine, peut-être la semaine prochaine, pourquoi pas, avec grand plaisir. En tout cas, bon après-midi. Donc, le kit Paper Pumpkin, attention, il est disponible, c'est. Voilà, stock limité, hein, jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, je vais réussir à le dire.
Donc surtout, n'hésitez pas et ne tardez pas à le commander. Vous avez le lien en haut de la vidéo. Je vous l'ai mis pour que vous puissiez vous y rendre directement sur la boutique. Ah, c'est super, Camille. Ouais, une bonne idée, un atelier pour les enfants, l'anniversaire, ça va être top. Super. Bon, bah c'est cool. L'essentiel, c'est que vous puissiez en profiter, puis que ce soit justement un bon moment à partager avec les enfants ou les petits-enfants. L'autre petite info au-dessus du chapeau, qu'est-ce que tu me dis au-dessus des chapeaux? Alors, j'ai plein de trucs qui s'affichent sur mon téléphone, je ne sais pas ce que c'est trop bizarre. Vous le savez, enfin les VIP le savent, hein, les VIP d'Harmony Scrap le savent. Nous avons une nouvelle collection qui va sortir. Ah, au-dessus du chapeau, oui, c'est ça. Les infos du kit au-dessus du chapeau. T'as raison. Donc nous allons avoir une collection qui va sortir en avant-première, qui fera partie du mini-catalogue, etc. Une avant-première qui est juste magnifique, qui s'appelle Jardin d'Éden. Regardez-moi ça. Les VIP ont eu droit à l'avant-première lundi soir, puisque j'ai réalisé. Coucou, je suis là. Puisque j'ai réalisé le mini-album sur le groupe, donc avec cette collection. Oh, je crois que Fabienne l'aime. Ça, c'est top. Donc voilà, elle sort en avant-première dès le 2 novembre. Et vous voyez sur la petite affichette que j'ai faite, je vous fais une petite offre exclusive pendant un petit peu moins de 15 jours. Coucou Daniel, comment ça va? Voilà. Et aujourd'hui, c'est le dernier cara. Pour le calendrier de l'Avent. Vous le savez, c'est mon tout premier calendrier de l'Avent. Je suis en train de chercher mon petit visuel que je ne trouve pas. Si, ça y est. Voilà, je prends aujourd'hui les dernières inscriptions pour le calendrier de l'Avent. Vous avez aussi toutes les infos, donc tout en haut de la publication. Voilà. Vous savez tout, ça y est, vous savez tout. Et du coup, on va pouvoir commencer la création de la petite boîte à explosion rectangulaire. Vous allez voir, elle est super sympa. Et puis, il y a plein de possibilités pour la détourner, pour la modifier, pour... Bref, vous allez voir, vous pouvez vous éclater avec les enfants. Coucou Sandrine, comment ça va? Bienvenue. Oui, juste ce matin, Maroutine, j'ai pas eu le temps de te répondre. Je suis désolée de ne pas t'avoir envoyé un petit message, mais oui. Merci beaucoup. Je t'enverrai un message tout à l'heure. Alors, c'est parti. Je vais tout de suite retourner ma petite caméra, ou en tout cas brancher la deuxième. Voilà. Et du coup, on va pouvoir démarrer. Merci Sandrine. J'avais envie d'un petit peu de gaieté à l'approche d'Halloween, hein? Voilà. On pourrait s'amuser un petit peu, hein, parce que bon, on a beau être des adultes, il y a peut-être des enfants qui nous regardent et qui vont scraper avec vous, ou qui vont le faire en replay. Donc je fais d'ailleurs un coucou à tous les enfants qui vont peut-être réaliser cette boîte à explosion. J'espère que vous vous amuserez avec vos parents ou vos grands-parents. Je t'envoie le mien dès que j'ai fait la carte qui va avec. Pas de souci, avec plaisir. C'est flou. Oui, je sais, c'est flou. Il y a des moments, c'est flou. C'est la caméra qui zoome. Et puis, c'est le réseau aussi, qui n'est pas super génial. Mais ça va le faire. Je le redis devant tout le monde, Madame Trocadon. Oui, je sais. Coucou, Nati. Nati aime beaucoup mon chapeau. Elle l'avait vu sur mon reel hier sur Instagram parce que je l'avais mis. Je l'avais mis du coup pour accueillir mes clientes pour l'atelier hier, donc ça les a fait rire d'ailleurs. Mais bon, je ne l'ai pas gardé tout l'après-midi. Coucou Martine, tu vas bien? Alors, la petite boîte à explosion, vous reconnaîtrez, hein, j'ai utilisé nos petites tortues. On les aime tous, ces petites tortues, n'est-ce pas? Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui l'ont déjà, puisque je leur ai offert le set, hein, offert le fait. Pour le club Incolore. Voilà. Coucou Béatrice. Super.
Donc voilà, et donc je vous montre comment ça se présente. Donc le petit couvercle se retire. Hop, et ça se déroule tout simplement comme ceci. Voilà, plein de petits carrés. Mais vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. Loulou. Ah oui, Louise, elle la fera aussi. Bah, j'ai hâte, tu me montreras. Hein. J'aurai une petite vidéo de la réalisation de Loulou, j'espère. Alors, on va commencer. Oui, ça me fait plaisir aussi, Daniel. C'est marrant, Béatrice, ça te fait rire, mon petit chapeau. Bon, bah tant mieux. Aujourd'hui, j'avais travaillé avec, alors pas du tout une collection de Noël, hein, rien à voir, j'avais envie de rester un petit peu sur le thème des animaux, puisque je voulais que ce live soit vraiment à destination des enfants, pour que vous puissiez aussi scraper avec vos enfants ou vos petits-enfants. Et donc, aujourd'hui, je vais utiliser nos petits félins. Voilà, ça c'est une collection du catalogue annuel. Ah, j'ai mon couvert qui se balade du catalogue annuel. Vous avez l'habitude. Recto verso, on a des papiers super sympas. Du coup, j'ai voulu jouer un petit peu avec les tigres. Elle a hésité à aller chez sa copine pour voir le live. Elle est trop mignonne, ta puce. C'est trop mignon. J'adore. Les papiers unis, comme d'habitude, coordonnés à la collection. Je perds ma voix, je suis désolée. Carré moulu, épinette enivrante. Merlot magique, noir nu, ocre roussillon et soyeuse succulente. Ah oui, elle les aime bien les petits tigres. Bon bah écoute, ça va être parfait alors. Vous allez pouvoir passer un super moment toutes les deux, ma Cathy, j'adore. Et vous le savez, on a toujours avec le papier, nous avons les tamponnages. J'ai les cheveux de la sorcière qui me chatouille. Oh mon Dieu, quelle idée! Voilà, c'est magnifique cette de tampons. Et des découpes qui vont avec cette collection, c'est juste magnifique. Voilà, vous avez tout sous les yeux. Catalogue annuel, page 45 pour cette magnifique collection de félins au naturel. Alors voilà, c'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui. Je vais vous afficher, bien sûr, comme d'habitude, les mesures à l'écran. Et puis on va pouvoir démarrer, mais vous allez voir, aucun souci. Alors. J'ai parfois des soucis avec mes affichages qui ne veulent pas se faire comme je l'ai décidé. Mais vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne si facilement. Voilà, ça ne saurait tarder. Ça veut pas, hein? Oh les vilaines. Alors, hop, voilà, je savais. Chouchou va être content si tu vas au lit ce soir avec ton chapeau. Non, j'oserais pas lui faire ça quand même. Ceci dit, il m'a vu avec. Hein. Il m'a vu avec déjà. T'as le temps, Romani, pour faire un essai de tamponnage des félins. Oui, je peux te faire une démo si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais tu te souviens pas, on l'avait fait sur les portes ouvertes virtuelles, ma bichette. Alors, je vais commencer la boîte et puis on va voir selon le timing. Sinon, je te le ferai rien que pour toi. Non, mais j'essaierai de le faire à la fin du live, ok? Mais sinon, ouais, sur le groupe des portes ouvertes, on avait fait justement le tamponnage de ça, ok? Donc, on voit ça, il n'y a pas de souci, compte sur moi. Alors, je prends mes papiers. Pour ma base de cartes, je suis repartie sur du blanc. Hop, alors j'ai fait toutes mes petites découpes. Hop, voilà, je vais mettre ça de côté, je vous montrerai ça après. Donc, la base de la boîte. J'ai peur que ce soit un peu gros, mes mesures là. C'est bon. Ok, si les mesures prennent trop de place, vous me le dites, je vais peut-être les réduire un petit peu. Voilà, de toute façon, je vous les donne au fur et à mesure. Et puis, pour les personnes qui regarderont en replay, eh bien, pas de souci, vous aurez la fiche technique avec toutes les mesures et les schémas, comme d'habitude, que vous retrouverez sur mon blog harmoniescrap.fr. Cette
Cette base de boîte mesure 29,4 par 14,7. 29,4 par 14,7. OK? Et pour le couvercle, un deuxième morceau de papier uni qui mesure 14,3 par 9,3. OK? 14,3 par 9,3 pour notre petit couvercle. OK? Donc du papier uni, tout simplement. Merci ma Cathy, t'es un amour. Ok, pour ce qui est, je cherche mes mesures pour vous les redonner. Ah voilà. Hop. Je vais reprendre ma boîte, comme ça vous allez pouvoir suivre. Nous avons besoin en fait de plein de petits carrés de papier. Au final, ils vont mesurer 4,6 chacun. La quantité va dépendre de vos choix de décoration, d'accord? 12 ou 16 ou la totalité, c'est vous qui décidez, d'accord? Sachez simplement pardon, que vos carrés mesurent 4,6. Ici, pour les carrés du centre, en fait, j'ai découpé des rectangles de 4,6 par... J'ai avalé la mesure. 4,6 par 10 et quelques, en fait, c'est deux carrés regroupés, d'accord, que j'ai coupés en deux. Mais j'ai d'abord tamponné mon grand rectangle et ensuite je les ai coupés en deux. C'est une autre façon de faire si ça vous plaît. OK? Aujourd'hui, je crois que si vous avez lu mon article, je vous ai parlé genre de puzzle. Alors, ce que j'ai fait moi aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout va être avec du papier design. Okay? Je vais complètement remplir de papier design avec mon DSP des félins. Les docteurs ne veulent pas scraper, ils sont pas sympas, hein? Tu vas leur dire de ma part. Hein? Je te jure. Donc, j'ai un petit peu triché parce que du coup, je les ai laissés dans la même position, mes papiers. Mais. Je vous explique tout de suite. J'ai pris mon morceau de papier design. Voilà. Coucou Laurence, je vois qu'il y a plein de papotages sur un groupe. Je vais regarder tout ça après, les filles. Voilà, donc j'ai pris un morceau de papier design. OK. Qui mesure 27, ça vous ne l'avez pas tout à fait, je l'ai fait après. Il est là, tonton? Ah non, je ne l'ai pas vu. Tu confonds, ma bichette. 27,6 par 13,8. D'accord? Vous voyez? Et en fait, j'ai tout découpé. J'ai fait des carrés de 4,6. Donc, je répète, j'ai pris un morceau de papier design de 27,6 par 13,8. Et ensuite, j'ai découpé mes carrés de 4,6 par 4,6. Le côté sympa, donc je vous disais, j'ai triché parce que je les ai bien repositionnés pour pas perdre de temps. Voilà. Mais quand vous allez scraper avec les enfants ou les petits-enfants, ce qui peut être sympa, ça peut être le côté ludique justement, c'est bah, de mélanger tout ça, d'accord? De leur faire faire donc la base de la boîte, les découpes, les plis et tout, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à faire, c'est facile. Et puis du coup, et ben, de leur faire retrouver le sens de ce papier pour réassembler tout ça pour pouvoir ensuite venir les coller sur la boîte. Voilà, ça peut être sympa. Alors, le fait du petit puzzle, bon, faut qu'il soit un peu plus jeune et tout, mais finalement, ça peut être assez marrant de s'amuser à recoller un petit peu tout ça. Voilà. J'espère que l'idée va vous plaire en tout cas. Du coup, je me remets ça de côté et puis on va venir maintenant s'attaquer aux plis et aux découpes, donc de la base de notre boîte et au couvercle. Alors, hop. Pour l'arrière, donc l'extérieur en fait de la boîte, même principe. Hein. OK, papier design, 4,6 pour tous les petits carrés. Et puis, là, vous voyez, j'en ai laissé deux blancs parce qu'en fait, tout simplement, quand ça se referme, eh bien, hop, on se retrouve donc avec le rectangle, voilà, et du coup, c'est le fond de ma boîte, donc là, c'est pas indispensable. Mais s'il vous reste des carrés, vous pouvez tout à fait, bien sûr, venir coller le papier design derrière. L'idée te plaît, ma Cathy? Bon, super.
Oui, ma petite Maretine, je vais y penser, je te promets. Et puis sinon, regarde aussi les commentaires. Parce que, alors, tu as les mesures là à l'image. Et tu as aussi Cathy ou Mumu, ça dépend, qui nous mettent les mesures dans les commentaires. Coucou Elsa, tu vas bien ma belle? Alors, c'est parti. Hop, je prends mon coup de papier, je prends donc mon morceau de 29,4 par 4, par 14,7 et je vais venir tout de suite marquer mes plis. Donc, je commence par le bord long. C'est quoi le modèle aujourd'hui? Alors, tu diras à ton docteur, ma petite natique, et ça s'appelle une boîte à explosion rectangulaire faite principalement pour les enfants. Voilà, qui s'ouvre comme ceci. Hop, pour lequel on peut s'amuser à leur faire faire un puzzle. Merci, maman. Allez, on y va. C'est parti. Donc, je pose mon papier sur le bord long, sur mon coupe-papier, et je viens faire la première mesure à 4,9. 4,9. C'est bon, tout le monde y est, 4,9. La seconde à 9,8. Quatre virgule neuf, 9,8. Nati, c'est quoi ton médecin là? La troisième mesure, 14,7. Je répète les trois premiers plis, 4,9, 9,8. 14,7. Ensuite, 19,6. Et pour finir, 24,5. J'espère que je ne vais pas trop vite. Oh, ma petite Maretine. T'inquiète, ça va le faire. Voilà, les mesures de plis, Cathy vous les a mis dans les commentaires. Merci beaucoup, ma bichette. Hop, je les répète à l'oral rapidement. 4,9, 9,8, 14,7, 19,6 et 24,5. OK? Je retourne mon papier sur le bord court et je viens faire deux plis simplement. Et je reprends les deux premières mesures de tout à l'heure, c'est-à-dire 4,9 et 9,8. Je suis en train de penser que, heureusement que Crapouillot n'est pas là, je pense que j'aurais morflé. Voilà. Ok, eh bien, en fait, ça y est. Nous avons préparé la base de notre boîte. Donc, hyper simple. Tant que j'ai mon coupe-papier, je vais faire tout de suite le couvercle. OK? Je répète que ça mesure 14,3 par 9,3. Il a dit, c'est le meilleur des cardio. Je suis lui ramener mon modèle avec des bonbons la prochaine fois, c'est du racket. Oh la vache, il est dur ton cardio. J'adore. Oui, bah oui. Tu vas lui rapporter la petite boîte avec avec des bonbons dedans, c'est clair. Mais dis-lui qu'il a intérêt d'être sympa avec toi, hein, sinon ça va pas le faire. La sorcière va lui jeter un sort. Allez, on attaque le couvercle tant qu'on a le coupe-papier sous la main. Je pose donc mon papier et nous venons faire tout simplement. Il est puni, je lui cause plus. Nati, je te jure. Tu me fais trop rire. Quatre plis à 2 cm sur les quatre côtés du papier. Voilà. 2 cm sur les quatre côtés de mon papier.
il m'entend. Alors, bonjour le docteur de Nati, je vous salue. Je ne pense pas qu'il vous soit souvent arrivé d'avoir une consultation de ce genre. En tout cas, soyez gentil avec Nati parce que c'est un amour de bonne femme. Je vous souhaite une excellente après-midi. Et voilà. Bien, ça y est. Notre boîte et notre couvercle sont prêts. Pour ce qui est de la base, hop, je vais comme d'habitude marquer mes plis. Voilà. Donc c'est un petit peu plus fastidieux parce qu'il y a pas mal de plis, mais bon, c'est pas compliqué. Voilà, je viens marquer tous mes plis. En attendant, je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route. D'abord, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires. Et aujourd'hui, nous faisons une boîte à explosion rectangulaire parfaitement adaptable par les petites mains de nos loulous. Bien, maintenant nous nous retrouvons avec tous nos petits carrés. Et en fait, simplement, il suffit de venir désolidariser tous les carrés, donc de la bande du bas et de la bande du haut. Tout simplement, pas plus. Ok, donc vous voyez par rapport à ma boîte ici, voilà, on sépare, pouf, tous nos petits carrés, donc bande du bas, bande du haut, et c'est parti. Alors, non mais imagine les nouveaux qui tombent sur le live. Oui, je pense que ça va leur faire un petit peu peur, mais bon. Reste optimiste. Coucou Patricia, comment ça va? Merci, c'est gentil. Donc c'est parti, on désolidarise donc. Hop, tous ces petits carrés. Voilà, vous voyez, hein, vraiment, c'est tout à fait accessible à vos loulous. Ça fait une bonne occupation. Si jamais le temps n'était pas de la partie ou vous manquiez d'idées pour les occuper pendant les vacances, ça va être super. Hop là. Sous. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Alors d'habitude, je vous demande de partager la vidéo. Là, du coup, je ne suis pas sûre. Mais non, en fait, je vous avoue que j'assume pleinement mon chapeau de sorcière. Hein, parce que je me dis qu'on n'a qu'une vie. Ok. Et puis qu'on peut bien s'amuser et rigoler un petit peu. Non, mais. Hop là. Voilà. Tous les petits carrés sont désolidarisés. Du coup, il n'y aura plus qu'à refermer. Il est vilain. Il a dit que tu ne devais pas me connaître. Je suis diabolique. Bon, allez. Bon courage. Ok. Du coup, tu laisses le live pendant que toi, tu vas te brancher. D'accord. Bien. Gazelle, pourquoi tu dis trop tard? Dis-moi, dis-moi. Allez, on s'attaque au couvercle. Même principe. Hop, je marque mes plis. Et on va venir désolidariser les bords pour créer des petites languettes. Pour cela, je vous montre rapidement le schéma. Hop, voilà, vous avez l'habitude. Donc, les parties rouges, en fait, sont coupées. Voilà, les plis, nous les avons déjà faits. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse ça à l'écran. J'espère que vous voyez bien. Hop, et c'est parti. Je coupe ma petite languette là, je biseaute comme d'habitude pour que ce soit plus joli. Voilà, si je me mets devant le schéma, ça n'a pas grand intérêt pour vous. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, surtout n'ayez pas peur. Non! Ah, merci Gazelle. Ah oui, d'accord, tu as déjà partagé. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'assume. Je m'éclate, je fais un métier qui me plaît.
Voilà, dans lequel je m'épanouis, qui me rend heureuse, qui me permet de rencontrer des gens formidables, qui me permet d'assouvir ma passion, d'allier la créativité avec tout le reste. Donc, j'assume. Je sais, hein, c'est quand même une méga chance de faire ce que je fais, hein, d'avoir la possibilité de faire d'une passion son métier, d'être soutenu par sa famille, de rencontrer des gens incroyables, de faire des lives, des zooms, des ateliers avec des gens tellement bienveillants. Je regrette absolument pas mon choix, le choix que j'ai fait en janvier 2020. Voilà, le temps passe vite. Vraiment, je ne le regrette pas. J'ai une équipe qui assure grave, qui sont extraordinaires. Et puis, bah voilà, j'espère qu'elle va s'étoffer. Ok, mon petit couvercle est fait. Maintenant, on va passer à la déco. Tout simplement, on n'a plus qu'à coller donc tous nos petits morceaux de papier sur le couvercle et sur la boîte. Donc, je vous rappelle que pour l'intérieur et l'extérieur, donc nos morceaux de papier mesurent 4,6 cm par 4,6 cm. Oui, mais je vous aime, ma mumu. C'est pour ça, je pense que je dis. Ok. Pour la décoration de notre couvercle, qui est ici, il vous faut ici, je vais reprendre les mesures pour ne pas vous dire de bêtises, deux morceaux de 10,1 par 1,8. D'accord? N'oubliez pas, hein, vous avez les mesures ici pour le couvercle. Donc, deux morceaux de 10,1 par 1,8. Deux morceaux de 10. Non, attendez, je vous dis une bêtise. Oui, c'était bon. 10,1 par 1,8, donc pour les deux bandes ici. Deux morceaux de 5,1 par 1,8. OK. Et pour le dessus, 10,1 par 5,1. Donc nous sommes là, si vous regardez à l'image en bas à gauche, sur les mesures du bas. D'accord? DSP couvercle, papier design du couvercle. OK? Alors, c'est parti. Maintenant, du coup, je vais m'amuser à coller tout ça. Hop, hop, hop. Bon, ça risque d'être un peu long. Je vais essayer d'être active et réactive. Mais du coup, voilà, vous imaginez un peu ce que vous pouvez faire avec vos enfants. Hop, préparer tous ces petits carrés. Voilà. Et du coup, hop, on va reformer ce super papier design des félins. Ma Cathy, j'imagine déjà ta loulou en train de faire tout ça. C'est trop cool. Donc oui, hein, vous voyez, j'avais triché, hein, j'avais tout laissé dans le bon sens pour pouvoir ne pas avoir à chercher, hein, puis avoir l'air ridicule à essayer de retrouver le bon sens de tous mes papiers. Voilà. Hop. Du coup, ça va être super sympa ça. Hop. Et on a tout ça qui va se reformer. Je trouve ça trop cool. C'est vraiment un truc assez marrant. Puis bon, c'est vrai que quand on scrape, hein, on est d'accord, on retombe un petit peu en enfance. Hein. On a gardé notre âme d'enfant, c'est aussi pour ça qu'on aime ça. Oh, tu m'étonnes, ma Cathy. Le fait qu'elle aime ça et que vous puissiez partager ça toutes les deux, je trouve ça génial. C'est vraiment trop bien. Je te souhaite vraiment que ça dure parce que c'est un vrai moment de partage entre vous et tout, c'est vraiment extra. La fierté de faire des choses ensemble, créer des choses ensemble, ce petit moment rien qu'à vous, ça c'est vraiment trop bien. Hop, vous avez vu, ça commence à se reformer. Voilà. Vous pouvez imaginer de faire plein plein de choses, hein. Du coup, le papier, vous pouvez aussi le créer avec des tamponnages, par exemple. Si vous prenez les petits écureuils ou les tortues ou peu importe, eh bien, vous créez vous-même votre papier. Vous pouvez même vous amuser à les coloriser, d'ailleurs. Hop. Ça peut être génial.
Je vous assure que vous êtes des saints, vous savez, c'est genre mes nuggets à chaque venue, donc on la reprend à chaque rendez-vous. C'est très sympa, amusez-vous bien. Nous avons le docteur de Nati donc, qui nous envoie un petit message dans les commentaires et qui nous met bonjour mesdames, je vous assure qu'elle est insupportable. Vous êtes des saintes pour supporter cette jeune femme, mais elle nous guette à chaque venue, donc on la reprend en rendez-vous. C'est très sympa votre projet. Amusez-vous bien, mesdames, je vous la rends sous peu. Eh bien écoutez, merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou des petits-enfants, mais pourquoi ne pas leur proposer ce projet, n'est-ce pas? Et je suis parfaitement d'accord avec vous. En d'autres termes, Nati est un amour de personnage et j'ai hâte de la rencontrer en vrai, puisque sachez que pour l'instant, ce n'est que du virtuel. Mais je ne désespère pas qu'un jour, nous nous rencontrions pour de vrai, comme avec beaucoup d'autres d'ailleurs. Excellent. C'est très sympa d'avoir fait un petit passage sur ce live, docteur. Quelle chance nous avons! Voilà, j'arrive au bout. N'est-ce pas, Cathy? On aura tout. On aura tout. On aura tout. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Ouais, un docteur en live qui vient nous saluer, nous dire des jolies choses sur notre petite Nati. Ça, c'est vraiment excellent. Hop. Voilà, ça y est, j'ai collé tous mes petits carrés. Vous avez vu? C'est top, hein? Elle ne va plus prendre de rendez-vous. Ou alors, si elle va faire exprès, comme ça, ils vont pouvoir la regarder ensemble. Allez, je retourne. Je vais coller maintenant mes papiers pour l'extérieur. Là, je suis partie donc sur du papier qui n'a pas de sens. Voilà, histoire de simplifier la vie. C'est toujours la même collection, vous vous en doutez. Hop, et du coup, ça sera l'extérieur donc de ma petite boîte. Ça nous change des marabouts insupportables d'avoir un médecin agréable. Alors ça, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, ma Camille. On aura été tranquille aujourd'hui. Ah, le médecin va faire exprès de lui mettre des rendez-vous. Le mercredi à 14h. Je te jure, il va devenir la mascotte du mercredi après-midi. Suis pas sûre que ça l'intéresse des masses, mais bon, pourquoi pas. Ah, bah voilà, on les a cités, voilà qui sont là maintenant. Ah, ne bouge pas, toi, le petit papier. Ouais, c'est ça, Cathy, t'as raison. Ils nous avaient fichu la paix jusque-là, les vilains. Et puis, c'est reparti pour un tour. Faut que je fasse attention à ce que je fais. Oui, c'est ces deux-là que je colle pas. Voilà. Hop, t'inquiète, Camille, il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude, hein. Enfin on a tous l'habitude maintenant, ces satanées personnes qui sont là. Ça fait des semaines que ça dure, impossible de s'en débarrasser. Hop. Donc bah tant pis, on fait avec, hein. Voilà. N'est-ce pas, Marotine? Je suis d'accord avec toi, le docteur a beaucoup d'humour. C'est très agréable. Voilà. Je pense pas qu'il s'attendait à ça non plus, lui, au cours de son rendez-vous. Voilà. So. Bon, le plus long, c'est de coller, hein. Du coup, vous avez vu. Voilà. C'est vraiment pas la complicité, la complexité, pardon, du projet. C'est vraiment. Hop. Tous les petits trucs à faire. Mais c'est quand même super fun. Hop, voilà. On arrive au bout donc du montage de cette petite boîte à explosion rectangulaire. Hop. Voilà. Du coup, je vais donc laisser les deux carrés du centre blanc puisque c'est
le fond de ma petite boîte. Voilà. Allez, le couvercle maintenant. Donc, je vais coller mes papiers design à plat. Hop, n'oubliez pas, vous avez les mesures à gauche en bas. Allez, la colle, si maintenant elle s'y met. Voilà. C'est parti pour le collage, la déco du petit couvercle de cette fameuse boîte. Ouh là là! Mon Dieu, ça a coulé partout. C'est tout l'un ou tout l'autre? Ah, j'ai intérêt à y aller en douceur parce que ça va déborder. Voilà. Il est super sympa ce papier. Ça va être trop joli, je suis sûre. Youp là, youp là. Alors, vous vous souvenez, depuis 15 jours ou 3 semaines maintenant, je vous propose d'inspirer les autres avec vos créations. Donc, je vous demande, si ça vous intéresse, de publier votre création jusqu'à jeudi soir en commentaire. Donc, juste en dessous du live, en commentaire, vous publiez votre création. Et du coup, ensuite, je fais un tirage au sort pour offrir une de mes deux créations. Donc, soit la version de présentation, soit la version que j'aurais faite en live, tout simplement dans le but d'inspirer les autres. Donc, voilà, si ça vous dit. Et puis, du coup, si vous les faites avec vos enfants ou vos petits-enfants, partagez leurs créations, hein. Ça me fera trop, trop, trop plaisir de les voir. Du coup, maintenant, je viens coller donc les petites languettes pour finir de former mon couvercle. Voilà. Ça déborde un petit peu, donc je vais enlever ces petits trop-pleins de colle. Hop, là du coup la colle suffit, hein. Pas de souci. On aligne ça correctement. Voilà. Si ça voulait coller, ça serait top. Vous êtes toujours là? Il y a des moments où je suis un peu en stress parce que je vois plus vos commentaires. Alors, soit vous êtes très concentré sur le collage de vos carrés, soit je vous ai perdu. Hop là. Voilà. Et pour ma petite déco. Ah, super, vous êtes toujours là. J'ai découpé donc avec les pyramides de rectangles. Donc un rectangle qui correspond plus ou moins donc au couvercle de ma boîte. J'ai utilisé le plioir de gaufrage damier, poids et damier, que je vais mettre ici. J'ai tamponné et découpé donc un tigre donc en carré moulu et les petites tâches, je les ai faites en ocre roussillon. Vous avez vu, ça rend super bien. En plus, on a les poinçons avec, hein, donc du coup, c'est parfait. Donc, je vais venir le coller par-dessus. Et du coup, dans le set de tampons, on a en plus le texte où il est écrit « Viens jouer avec moi ». Parfait. Ça tombait parfaitement bien. Donc, voilà, je colle tout ça. Hop. Je vais lui donner un petit peu de brillant en mettant des gemmes de la collection Incolor. Et comme j'ai du vert, je vais utiliser donc les épinettes enivrantes. Je vais coller mon tigre en 3D avec mes dimensionnales. Voilà. Ah bah super, coucou Marie Myriam. Et ben du coup voilà une idée de projet par exemple à faire avec tout ça. Mais si vous avez besoin de plus d'inspiration, je pourrais vous envoyer des modèles par exemple pour vous donner des idées sur comment utiliser le papier, les tampons, etc. J'avais fait quelques projets avec cette collection à l'occasion de mes portes ouvertes notamment. Donc si ça vous dit,
Pas de souci, on se contacte en MP après et je vous envoie des idées. Hop. Voilà. Oui, c'est vrai que le thème est très très ciblé, mais effectivement, là j'ai Cathy par exemple qui avait, je ne sais pas s'il est fait d'ailleurs, fait ou envisageait de faire un album photo suite à une visite au zoo avec ses enfants. Voilà, ça peut être une idée aussi. Et du coup, mon petit sentiment, je vais le mettre ici directement sur mon tigre. Voilà. Hop, voilà. Et je cherche. Ah, ils sont là. Voilà. Mes petits. J'aime Incolor 2021-2023. Ce sont les seuls que je veux qui sont restés dans le paquet. Là. Hop. Soyeux succulents, donc les petits gemmes incolores verts. Voilà. C'est également la couleur que j'ai utilisée pour mon sentiment ici. Hop, voilà, ça va donner une petite touche de brillant. Là. Puis une petite troisième ici. Tiens, pourquoi pas. Et voilà. Il est fait, mais il manque les photos. J'ai eu du papier. J'ai utilisé les tigres à découper du papier. Ah oui, c'est vrai qu'avec les découpes, on peut aussi découper le papier design. Donc c'est ça, Myriam. Cathy avait fait un album photo, du coup, suite à sa visite au zoo avec ses enfants. Du coup, pour le thème, c'est assez pas mal. C'est assez bien. C'est pas très français ce que je dis, mais. Voilà. Eh bien, ça y est, notre boîte à explosion rectangulaire est terminée. Avec un thème donc différent du premier. J'ai déjà fait une valise en photo. Ah bah voilà, oui, une valisette photo et tout, un lien avec les photos, c'est pas mal. Ah, on a un petit message de Nati. Il dit, je suis la star aujourd'hui. Et il a dit, la dame dessine très bien. Ces tigres sont très beaux. Ouais, va falloir que tu lui fasses un cours sur le tamponnage, Nati. Je pense que la prochaine fois, tu peux apporter ton matos. Et puis tu vas lui faire faire des tamponnages, ça peut être marrant ça. Et on fait des photos, hein, bien sûr. Alors, pour refermer, bah, tout simplement, hop, on replie tous nos carrés. Ah, t'as fait aussi avec Beauval, bah oui, tu vois. Donc, le numéro 3 à l'intérieur du 2 et le 1 revient dessus. Le numéro comme ça. J'ai dit quoi? Hop, hop. Et voilà, comme ceci. Alors que je ne me trompe pas de sens par rapport au couvercle. Voilà, oh, c'est plus fun hein, pour l'ouverture de mettre dans le bon sens. Et voilà. On a notre petite boîte à explosion. Hop. Donc avec nos petits félins qui vous aura permis ou qui va vous permettre de passer un moment sympa avec vos enfants ou vos petits-enfants. En plus, on a plein de petites bêtes, hein. On a les écureuils, on a les tortues, on a les félins. On a plein de choses pour les amuser et pour tamponner de façon sympa. On a les pingouins aussi qui sont assez sympas. Je regarde en même temps que je vous parle. Bon, il y a plein d'idées possibles. Donc, pour cette petite boîte à explosion rectangulaire, accessible aux enfants. Et donc, attention, quand on les ouvre, hop, c'est parti. Et voilà. C'est tout bête, c'est tout simple. Oui, les escargots aussi. Tout bête, tout simple, mais super sympa. Et l'occasion de passer un bon moment de partage avec nos loulous. Voilà. Ça vous a plu? J'ai trop hâte de voir les créations de vos enfants ou de vos petits-enfants. Surtout, hein, vous pensez bien les envoyer, puis les vôtres, hein, bien sûr, évidemment les vôtres aussi. Avec grand plaisir. Et puis du coup, voilà, si vous êtes tiré au sort, bah, je vous enverrai à vous ou à votre enfant ou petit-enfant bah, une de ces deux petites boîtes. Il faudra juste la choisir et du coup, elle
partira jusque chez vous. Donc pour ça, n'oubliez pas de partager votre création en commentaire en dessous de ce live. Voilà. Pour pouvoir être tiré au sort. Alors, je repars en scintillant. Non, c'est pas vrai. Il veut pas une boîte tête de mort, il est pas drôle. Oh, ben non, il n'est pas drôle. Bon, tu lui feras un petit écureuil, voilà la raison, Mumu. Et voilà, ça y est, nos boîtes sont terminées. Bon, en tout cas, je ne sais pas si vous avez passé un bon moment. Mais moi, je me suis éclatée cet après-midi. Voilà, j'ai retrouvé un petit peu mon âme d'enfant à faire ces petites boîtes avec vous. J'espère que ça vous a plu, que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Et aussi que vous en passerez un bon avec... avec vos enfants ou vos petits-enfants. J'ai mes cheveux qui sont que d'un côté. C'est ridicule. Voilà, mais c'était drôle. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Donc, je vous rappelle, n'oubliez pas le kit Paper Pumpkin, j'ai toujours du mal à le dire, coffret d'espoir, donc qui est jusqu'à la fin des stocks. Hein, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire aujourd'hui. Voilà. Et puis, bien sûr, la nouvelle collection qui va sortir donc en avant-première le 2 novembre, que vous pouvez déjà voir apparaître à votre écran avec ma petite offre exceptionnelle qui, attention, n'engage que moi et en aucun cas mes collègues ou Stampin' Up, bien sûr. Voilà, on arrive au terme de ce live. Ma petite Fabienne, je m'occupe de toi sans problème. Suis contente que tu aies bien rigolé. Merci Myriam. En attendant, prenez soin de vous. Amusez bien avec vos loulous. Amusez-vous bien avec vos loulous. Il manque des mots aujourd'hui. Pendant ces vacances, profitez-en pour partager des petits moments créatifs avec eux. Puis prenez soin de vous aussi. Et puis, eh bien, tout simplement, on se retrouve eh bien, la semaine prochaine pour un nouveau live. N'oubliez pas que je publie donc le samedi à 11h. Le prochain projet. Voilà. Merci beaucoup à toi, Nati, pour ce petit moment. Je salue aussi ton docteur. Merci à lui de sa petite intervention. C'était très, très sympa de sa part. Et puis, bah, voilà. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau live dans la bonne humeur et la bienveillance. Je vous embrasse toutes très, très fort. Merci pour tout. Et puis, à très vite. Ciao, ciao!